Bonjour à toutes et à tous en ce lundi 24 avril. Je reviens aujourd'hui pour un petit book haul puisqu'il y a eu pas mal d'achats sur le mois d'avril. Alors en effet, j'ai pu retourner sur Paris, donc ça c'était absolument génial. Et pour fêter ça, eh bien j'ai fait un tour boulevard Saint-Michel chez Gibert Jeune. À la base pour me procurer deux livres, mais je suis ressortie avec bien plus. Alors tout d'abord, je me suis procuré le dernier roman de Nathalie Reims, que je voulais absolument m'acheter. J'aime beaucoup ce qu'écrit Nathalie Reims. C'est beaucoup d'autofiction, voilà. Et j'aime beaucoup son écriture. Dans ce roman, Au long des jours, elle y raconte sa relation passionnée qu'elle a eue lorsqu'elle avait 18 ans dans les années 70 avec un homme bien plus âgé qu'elle, 37 ans de plus qu'elle. En fait, c'était le chanteur Marcel Mouloudji. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman et dont on m'a parlé avec beaucoup de bien. On apprend apparemment beaucoup beaucoup de choses sur cet homme, sur des choses qu'on ne savait pas, sur la tendresse de cet homme. J'ai hâte de découvrir. J'étais partie chez Gibert également pour me procurer le dernier roman de Philippe Jehan qui est sorti en poche, qui vient de sortir en poche où il y a assez peu de temps. Double Nelson. Alors je suis contente parce que je l'ai trouvé d'occasion. L'avantage chez Gibert Jeune, c'est que c'est une librairie qui propose des livres neufs, au prix fort, mais également on peut trouver les mêmes livres, on peut ramener ces livres et les vendre, donc on trouve également régulièrement des livres récents d'occasion, donc ça c'est super intéressant. Et aussi très très tentant. Alors, dans Double Nelson, ça raconte quoi? Ça raconte la relation compliquée entre Luc et Edith. Alors, compliquée a priori parce que Edith, elle a un métier très spécial. Elle travaille au sein des forces spéciales d'intervention de l'armée. Le couple n'est plus ensemble, mais Edith revient auprès de Luc a priori parce qu'il y a une mission qui a mal tourné. Et elle doit se planquer. Donc ils vont devoir cohabiter un certain temps. Ça a l'air très rocambolesque, très loufoque, très tendre. J'aime bien l'écriture de Philippe Jehan. Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc j'ai vraiment hâte de m'y replonger. Alors évidemment, ça ne pouvait pas s'arrêter là, puisque j'ai continué à farfouiller dans les rayons. Et j'attendais en poche la sortie du dernier moment de roman, pardon, de Michel Lèbre, et ben, je l'ai vu d'occasion, donc voilà, je l'ai pris. Ça s'intitule La Furieuse, Rives et Dérives. C'est plutôt un récit autobiographique où Michel Lèbre, qui maintenant a 83 ans, raconte son enfance, où souvent elle va trouver refuge en pensée, et aussi où elle revisite les œuvres littéraires qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie. C'est une auteure que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses romans. J'aime beaucoup sa plume très poétique. Et je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne dans un récit beaucoup plus autobiographique. J'ai aussi du coup envie d'en savoir plus sur qui elle est, sur sa personnalité. Voilà. Alors, pour continuer, je suis également allée traîner toujours au même endroit. J'ai fait un petit tour au rayon policier parce que je venais de terminer un roman policier. Alors, c'est assez rare, j'en lis pas trop, mais là, c'est bizarre, ça revient. Cette envie de relire du policier, et comme je suis un petit peu à court, j'en ai pas trop dans ma pile à lire, qui est quand même conséquente, puisque la voilà, la pile à lire sur les étagères là-bas. Bref, à la base, j'y allais pour me procurer un autre roman de Keigo Higashino, parce que je venais de terminer un de ses romans, dont je vais bientôt vous parler en point lecture. J'ai adoré. J'ai adoré le jeune inspecteur indépendant et hyper perspicace que l'auteur met en avant. Voilà, j'en parle très bientôt. En tout cas, là, j'ai trouvé, d'occasion, donc génial, un café maison, qui a l'air vraiment très chouette. Je vais vous lire un peu le résumé. Dans une maison des beaux quartiers de Tokyo, Yoshitaka Mashiba annonce froidement à son épouse Ayane qu'il va la quitter car elle ne lui a pas donné d'enfant.
Il a rencontré une autre femme et veut reprendre sa liberté. Elle décide alors de partir passer quelques jours chez ses parents à Sapporo. Le surlendemain, on retrouve le cadavre de Yoshitaka gisant dans son salon à côté d'une tasse de café renversée. L'inspecteur Kusanagi et son équipe sont dépêchés sur les lieux et la charmante veuve rentre de Sapporo. Il est rapidement établi que le café bu par Mashiba contenait de l'arsenic. Voilà, je m'arrête là, mais il y a un petit air d'Agatha Christie sur un mode très contemporain et aussi très japonais qui me plaît beaucoup chez cet auteur et je pense que je suis partie pour lire tous ses titres. Mais je ne me suis pas arrêtée là, puisque clairement influencée par ma copine Justine, coucou, coucou Justine, je me suis procurée, et je l'ai trouvé d'occasion, donc j'ai craqué également, un roman de Jean-Christophe Portès, Minuit dans le jardin du manoir. Alors a priori c'est un auteur très connu dans le thriller, mais bon comme j'en lis plus depuis un bail, ben, je suis plus trop à la page, donc voilà, je vais découvrir. Alors ici, il est question d'un notaire, fan de reconstitution de batailles historiques, qui vit dans un petit manoir, un petit pavillon, je crois, ou un manoir, avec son adorable grand-mère en Normandie. Un jour, en rentrant du boulot, il découvre une tête décapitée dans son jardin et la grand-mère a disparu. Alors voilà, j'ai trouvé ça très truculent. Ça m'a mis l'eau à la bouche et je vais découvrir la plume de l'auteur. Mais si la plume me plaît, il y a de fortes chances pour que j'accroche beaucoup parce que le pitch me plaît énormément. Voilà, alors c'est pas tout, hein. Je me suis pas arrêtée là. Pour me remettre un petit peu en selle au niveau du thriller, je me suis pris un auteur que je ne connais pas du tout, dont j'ai entendu parler en bien, mais voilà, qui a l'air assez prolifique. Donc je vais découvrir ça. D'occasion également, donc super contente. Ça s'intitule ce titre Seules les bêtes et voilà, le résumé m'a paru intéressant. Une femme a disparu, sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée qui fait l'ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste et que l'hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent liées à cette disparition. Tour à tour, elles prennent parole, chacune à son secret, presque aussi précieux que sa propre vie. Sur le Causse, cette immense île plate où tiennent quelques naufragés, il y a bien des endroits où dissimuler une femme, vivante ou morte, et plus d'une misère dans le cœur des hommes. Dans ce roman choral, Colin Neal orchestre un récit saisissant autour de la solitude et confine à la folie. Qui confine à la folie, pardon. Voilà, ça pourrait bien me plaire, on verra. Et pour finir cette grosse virée livresque où je suis revenue avec un sac à dos dans le train bien bien lourd, j'ai pas pu m'empêcher de me prendre un petit Patricia Highsmith de 1965. J'adore les romans policiers de cette époque. Celui-ci s'intitule L'homme qui racontait des histoires. Ça raconte l'histoire d'un homme qui écrit des feuilletons pour la télé. Et alors que sa femme va s'absenter quelques jours pour rendre visite à ses parents, il va se prendre à écrire un scénario où il l'a tué, où il l'aurait tué. Et puis il va se mettre à confondre son histoire avec la réalité. J'adore ce genre de scénario. J'adore aussi l'écriture de Patricia Highsmith. Donc ça devrait vraiment le faire. Voilà, ça c'était pour la virée chez Gibert Jeune. Ensuite, dernier livre à vous présenter. Je suis allée la semaine dernière voir l'exposition Matisse au musée de l'Orangerie à Paris, dont d'ailleurs je vous mettrai quelques photos en fin de vidéo. C'était vraiment très très beau. Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit tour à la librairie et j'ai craqué pour ce roman La Délector de François Valéjot. Alors, ce roman met en scène Lydia Deloktorskaya, qui est en fait une jeune femme qui, à 22 ans, est devenue la plus proche collaboratrice de Matisse, alors que lui avait été plutôt vers la fin de sa vie, il avait 62 ans. Le livre va raconter leur relation, une relation qui a fait scandale, qui a duré donc 22 ans jusqu'à la mort du peintre, puisque Lydia Deloktorskaya l'a assistée dans la maladie et jusqu'au dernier moment de sa vie.
Ça a l'air vraiment passionnant et j'ai hâte de rentrer par le biais de ce roman dans les personnalités, dans l'intimité de ces deux personnages, du monde artistique. Voilà pour ce petit book haul. Je n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, notamment au niveau des thrillers, quels sont. Si vous en avez plus particulièrement à me recommander, parce que je suis un peu à la ramasse dans ce genre littéraire. Dites-moi aussi si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Voilà, prochaine vidéo, ce sera un point lecture parce que j'ai quand même beaucoup lu, comme j'étais en convalescence sur mars et avril, j'ai pas mal lu, donc j'ai beaucoup de livres à présenter. Et donc je vous dis à très bientôt et je vous laisse sur quelques photos des toiles, des superbes toiles de Matisse que j'ai pu admirer la semaine dernière et je vous dis à bientôt.